Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que les membres de vos familles. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette différente. Menu qu'on va faire aujourd'hui pour une famille nombreuse, c'est normal, on ne peut pas faire un seul menu. On doit faire la moitié-moitié pour varier le goût, pour donner plus l'appétit. Alors, voici, vous êtes dans ma cuisine, je vous invite à voir comment est-ce que je fais mes recettes. La recette, on commence par la première option, c'est le poulet. L'assaisonnement, c'est les poudres du poulet, j'ai mis une cuillère. Les poudres de poulet, des poivrons rouges et des oignons, équivalent des oignons. Et les ciboulettes. Alors, je mixe tout ensemble. Après, je vais rajouter une cuillère de piment. Ensuite, je vais mixer ensemble avec l'huile et tout. Et je vais mettre dans mon four. Et par la suite, après avoir mis dans le four, d'abord, avant de mettre dans le four, dans mon plan de four, de cuisine que j'utilise pour mettre dans le four, mon bol et tout, ben, je mets toujours le papier aluminium. Par la suite, je mets le papier peint. Et suite, je mets ma nourriture et je pousse dans le four. Et après cela, on va être dans la deuxième option qui va être les patates. Et ensuite, je vous laisse visionner au rythme de la musique. Vous allez voir par la vidéo comment est-ce que ça se déroule. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Vous ne serez pas déçu. Je suis encore dans la préparation de beaucoup de vidéos. Petit à petit, et l'oiseau fait sonner. Donc, je ne vous promets rien. Pour le moment, je suis seulement la routine petit à petit parce que je suis une maman de 5. Alors, tout varie selon le temps libre qui me permet pour vous partager des bons moments, de belles recettes, de la motivation et tout. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Donc là, je prépare les plans pour mettre ici les saumons. Et les saumons, c'est pour une autre recette. J'ai fait les saumons, mais là, j'ai ramené les saumons. Je me suis rendu compte que c'est encore très gelé parce que j'avais juste trempé dans l'eau avec un peu de vinaigre. Et là, c'est encore gelé. Alors, je l'ai remis encore dans l'eau. Et je vais attaquer les patates, je vais picher les patates. Et ensuite, quand je vais finir avec les patates, je vais m'attaquer avec les saumons. De toute façon, les saumons, ça n'étire pas, c'est pas quelque chose qui prend du temps. Et par la suite, j'essaie de picher les patates avec la machine de minder. Et là, donc, j'ai échoué. Je suis pas bonne avec ça. Moi, je trouve que ça me ralentit. Alors, mes enfants, ils aiment ça, mais moi, je trouve que ça me ralentit. Moi, j'ai pris mon couteau et j'attaque directement vite, vite. Et ça m'a pris à peu près 5 à 6 minutes pour terminer tous les paquets. Parce qu'avec le couteau, moi, ça me facilite. Quand je fais mes affaires, quand je me concentre à une chose, j'aime terminer à la minute que je me donne. Surtout à la cuisine, je connais tellement mes techniques. Et donc, ça pas traîner et avoir la petite affaire là de plicher. Oh! Ça m'a énervé, donc j'ai essayé une fois, j'ai abandonné. Donc c'est ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter ainsi, de partager. Là, on continue encore avec ma vidéo pour nos recettes. Okay.
Bon, là, je vais déterminer avec mes patates. Je vais juste débarrasser un peu les plures. Par la suite, je vais laver comme j'avais lavé l'autre premier paquet. Je l'ai mis dans la casserole. Ce que je vais faire, je vais mettre au feu. Et après avoir lavé, je mets dans la casserole et je mets au feu. Ça va un peu bouillir un petit peu. Et par la suite, je vais les trier et on va attaquer à la recette suivante. Mais là, je mets un petit peu de sel et je vais mettre au feu comme ça. Et quand ça va bouillir, je vais trier. Là, je m'attaque maintenant à l'ingrédient des saumons. Et j'ai mis la sauce d'élément pour truc pour le saumon. J'ai mis un peu d'huile, j'ai mis un peu de poivron et j'ai mis aussi l'épice des poissons. Et c'est ça. Et j'ai mis un peu des sauces de barbecue, de la viande. Je sais que ça se mélange pas, mais moi j'aime les goûts ensemble. Ça fait. It's giving. Donc c'est ça. Ah, et par la suite, j'enlève toutes les peaux des saumons. Après, je vais encore rincer avec un petit peu de vinaigre et je vais mélanger tout ensemble, je vais assaisonner. Direction dans le four. Alors, don't forget to like, to share and to subscribe. On se retrouve encore tout à l'heure. Il y a une nouvelle recette qui s'en vient encore. Restez dans ma cuisine aujourd'hui. Je vous partage mes petits menus pour du jour. Bon, si vous remarquez bien, à chaque fois que j'utilise quelque chose, je nettoie. Je nettoie parce que je ne veux pas que les assiettes s'accumulent dans ma cuisine. Je déteste ça. Quand je prépare, il y a plein de vaisselle et tout, ça me déconcentre et ça me stresse. En même temps, ça me donne la colère. Alors, c'est pourquoi à chaque fois que j'utilise, je lave directement. Quand j'utilise, je lave directement. Voici la raison que je n'aime pas non plus beaucoup de vaisselle, beaucoup de casseroles dans ma cuisine. Parce que je n'aime pas trop des choses. Quand il y a trop des choses, ça m'énerve. C'est la même chose que j'essaie de travailler à côté de mes décorations, salon et salle à manger. J'essaie de travailler sur ça aussi pour réduire des choses. Parce que quand il y a trop des choses, c'est fatigant. Il y aura des saletés tout le temps et c'est trop cambriolement aussi. Ça dérange vraiment, vraiment, vraiment. Alors, voici ma technique. Quand j'utilise, je fais quelque chose, je lave directement. Pour laisser la respiration dans mon entourage à la cuisine quand je circule et tout pour préparer. Alors, c'est ça. Après, on a grillé nos patates. On continue à griller. Là, il nous reste un petit peu. Et on va attaquer à l'option suivante. Don't forget to like, to share and to subscribe. Dans cette vidéo, je vais un peu trop parler parce que c'est à peu près 4 mini qu'on est en train de préparer. Alors, je vous explique étape par étape. Bon, là, on a fini avec les patates et on va attaquer la recette des riz. Qui veut dire la moitié de la sauce de poulet que j'avais mélangé l'assaisonnement, j'ai mis dans la casserole et j'ai bien mélangé. Quand c'est bien cuit, j'ai pris des légumes qui est mélangé de carottes, des petits pois et des maïs. J'ai mis dans la casserole et ça a bouilli ensemble tout.
et j'ai mis encore une cuillère de poudre de poulet et j'ai mis une cuillère de tomates en pâte. J'ai mélangé tout ensemble et par la suite, j'ai pris de l'eau chaude et j'ai mis là-dedans. Donc, après, j'ai mis une feuille de laurier appropriée. J'ai mis là-dedans dans mon riz aussi. Et j'ai mélangé et j'ai couvert. Et par la suite, j'ai mis encore un petit piment, juste petit piment, un petit peu seulement. Alors, après avoir mis tout ça, j'ai couvert et ça bouillit. Et par la suite, j'ai mélangé et j'ai pris le papier peint. J'ai réduit les faits et j'ai couvert et par la suite. Bon, notre quatrième recette qui est la salade. Alors, j'ai opéré la salade, je l'ai découpée au milieu, j'ai regardé au milieu pour éviter les petits bibites. Parce que souvent, j'ai toujours des surprises avec des petits bibites dans la salade. Alors, je l'ouvre bien au milieu, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a bien fait l'opération? Bien sûr, on a bien fait l'opération, il n'y avait pas de petits bibites. Et j'ai bien lavé ma salade, je laisse encore dans la pâchoire pour que l'eau coule. J'ai découpé les oignons mauves. En fait, après avoir découpé les oignons mauves, je prends mon poivron jaune. Je les découpe aussi. Après, quand on finit avec les poivrons jaunes, je vais encore épilcher la carotte. Je vais les découper en forme de pilcher les carottes pour que ça fait au moins les différents un peu des papillons comme des petits feuilles et tout. Alors, je laisse comme ça. Après avoir épilché, et là on viendra rajouter maintenant notre salade. Après avoir rajouté la salade, on va rajouter maintenant notre saumon, qui veut dire qu'on a fait la salade au saumon. Voici notre saumon, comment est-ce qu'il est. Oh là là, c'est magnifique. Les goûts, les saveurs, il n'y avait pas trop de sel, c'était tellement tendre. J'ai pas rajouté les sels dans tout ce que j'ai préparé aujourd'hui parce que tous les ingrédients que j'ai mélangés là, il y avait déjà les sels. Si je rajoute les sels là, maman Nangaye, pardon, c'est dangereux pour la santé là. Pardon. Donc, c'est un peu ça. Alors, on mélange, j'ai bien écrasé un peu les saumons en petites tranches et par la suite, j'ai pu les restes. Vous voyez comment est-ce que mon petit plateau est propre? Très très propre parce que ça n'a pas collé des affaires, même si je vais laver là, je vais juste laver avec les petits éponges et après c'est fini. Excusez-moi, je parle encore trop. Alors là, je découpe les saumons et je vais mélanger là dedans. Donc après avoir mélangé, j'ai encore nettoyé mes assiettes et tout. Vous allez voir les restes après. Donc je vous laisse regarder au rythme de la musique. N'oublie pas de liker, de commenter ainsi que de partager s'il vous plaît. Bon, voici notre salade. Elle est magnifique, très bon, très gîté dans la bouche. Alors là, on va mettre aussi les riz dans la bol, dans les bols, la bol, les bols. On va mettre les riz dans les bols. Et par la suite, et vous voyez encore, je continue toujours à essuyer mon plan de travail, bien que ça soit propre. Je vais pas trop de petites miettes, je lave encore la vaisselle et tout. Donc, pour que ça soit bien propre, mes lavabos et tout, je continue bien comme ça. Et par la suite, je prends encore les riz, je vais mettre dans un autre bol. Et là, je vais vous présenter toutes les quatre recettes ensemble et vous allez voir comment est-ce que c'est. C'est vraiment très bon. Et les poulets étaient vraiment très, très tendres, très bons. Les oignons et les poivrons, les goûts et les goûts, les ciboulettes et les piments. Je vous assure, j'ai rien rajouté d'autre, à part les ingrédients que je vous nomme là. Les poivrons, les poudres de poulet, des oignons, et des poivrons. Et les oignons, des ciboulettes et les piments. Voici comment est-ce que c'était devenu tendre. Les poulets braisés faits maison. C'était vraiment magnifique, extraordinaire. Wesh.
Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter ainsi que de partager. Que Dieu vous bénisse, vous ainsi que les membres de vos familles. Vous ne serez pas déçus. Regardez cette vidéo au début à la fin. Vous ne serez pas déçus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous ainsi que les membres de votre famille. Love you! Don't forget to like, share, subscribe. Bye bye!